Bonjour, je suis ici à l'ouverture de la 17e édition du festival Croisement à l'intérieur du musée d'art de briques rouges à Beijing. Cette année, la cérémonie d'ouverture du festival Croisement est spéciale et très attendue parce que le président français Emmanuel Macron, au cours de sa visite d'État en Chine, s'est présenté à la cérémonie et a inauguré cet événement. L'importance que la France accorde aux échanges culturels est manifeste. Devant nous, c'est un monde artistique, une exposition au nom de Bon Moment, un échange d'art contemporain entre la France et la Chine est ouverte en même temps qu'une exposition permanente de l'artiste allemand Anselm Kiefer et aussi une exposition personnelle de l'artiste chinoise Shen Yuan. Tous les deux sont étroitement liés à la France. On peut dire que l'expérience de la vie en France a exercé plus ou moins une influence importante sur leur création artistique. Les œuvres touchent à des sujets tels que la terre, les humains, les animaux, l'inconnu, la solitude, la fatigue, l'extinction et aussi la renaissance. De la réalité à l'espace virtuel, elle nous offre de différentes dimensions pour observer le monde. Alors tout cela nous donne vraiment une forte envie de découvrir la suite de cet événement, n'est-ce pas? Mais les échanges culturels entre nos deux pays ne seront pas que ça. Nous attendons avec impatience l'approfondissement de la coopération culturelle après la visite du président Macron.